Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Attila pour la saison 2, acte 6, avec l'Empire romain d'Orient légendaire, Secundum Imperium Romanum. Lors du dernier épisode, je vous avais laissé sur l'assaut fructueux de la cité de Ka, donc c'était le dernier bastion sassanide, et on a détruit la faction. Nous étions en l'an 435. J'avais aussi recolonisé la cité du Daistan au début. Et je me suis dit, je vais faire une petite hélice comme il se passait rien, comme on avait aussi reconquis la Tripolitaine au nom de Constantinople. J'ai fait une ellipse de 8 tours environ pour développer un peu la province et avoir une base arrière solide pour ma campagne en Afrique. Et ensuite, je me suis dit, tiens, comme j'ai une armée de libre pour la Transcaspia, je vais peut-être l'envoyer par la mer ici pour attaquer mon ancien état client, le Lazic. Mon but, ça va être de récupérer toute la province. Pourquoi? En récupérant Samandar et Tanaïs, je récupérerai aussi une mine d'or à Tanaïs, déjà de une, pour l'économie. Deuxièmement, ça me permettra d'avoir une route ouverte vers la Sarmatie européenne pour recoloniser toutes les cités, dans le but ultime de recoloniser la Dacie, qui est une des provinces requises pour les acteurs militaires, à savoir recoloniser Apulum, Romula et la cité ici de Petrodava. Mais bon, dans cet épisode, pour le moment, notre premier objectif, ça va être l'Afrique. J'ai déjà une armée sur place, avec la Légion 9 Iova, menée par le général Septimus Tuditanus. Il a une attaque de nuit, il a des archers, une catapulte, des clibanaï, des promotis. Et j'ai aussi une flotte que j'ai un petit peu agrandie et réformée, avec des dromons de marins byzantins d'élite, lourds. 6 unités de barrage, de Libyon de barrage avec deux artilleries, plus costaudes et plus résistantes. J'ai gardé 6 catapultes pour équilibrer et 4 navires grecs incendiaires. Le feu grégeois si vous préférez. Du coup, on est parti, on va lancer l'assaut de Adrunamentum qui appartenait aux morts, qu'on a déclaré la guerre. Et on va montrer un petit peu ce qu'on a dans le ventre les Romains. On se retrouve pour l'assaut sur la cité d'Adrunamentum en Afrique, aux mains des morts. Le déploiement est un peu l'habituel. J'ai commencé par mettre les onagres pour tirer sur cette tour. Ensuite, derrière, les légios en armure orientale, accompagnés de deux lanciers sur chaque flanc pour dissuader les assauts de cavalerie. Mes sagittaires en armure en soutien des légios. J'ai mis les flèches enflammées parce qu'il risque d'y avoir pas mal de cavalerie. Derrière, en réserve, la cavalerie, donc avec les fameux clibanari, ainsi que deux unités d'écoutesse promotie, accompagné du commerce, enfin la garde du corps général. Ma flotte va arriver par ici environ. Mon objectif, ça va être d'essayer de détruire les deux tours qui gardent un petit peu ici et là pour permettre à mes marins de débarquer. Je ne vais pas débarquer mes catapultes, mais principalement mon amiral, les marins des byzantins, accompagnés des marins d'élite des feux grégeois, comme il n'y aura pas trop de navires. Donc on y va. En route, le début de la campagne d'Afrique est lancé. Donc première chose, je vise cette catapulte. Cette tour. Avec la catapulte. Alors, le capitaine de garnison, il est là. On va voir un peu ce qu'ils valent, ces marins d'élite lourds. Je vois un peu leur navire. Oh! Eh, c'est quand même pas du petit marin, ça. Regardez! Ah, je vais adorer ces unités, je le sens. Je vais avancer. Ils vont débarquer leurs deux navires, ok, logique. Ah bah, il n'y a déjà plus de tours, ok. Je vais commencer à avancer mon armée. Ah, ils vont vraiment se cantonner en ville. Ah, ça va être marrant, ça. Je vais commencer à rapprocher mes navires d'artillerie. Ah, j'adore ces navires. Je vais regrouper ces 4 navires avec ceux de mon amiral et des marins lourds. Ça me fait quand même 400 marins, vous imaginez. x2, ça fait 800. Et l'amiral, je suis quasiment à 900 unités. C'est plutôt pas mal. On voit toujours pas d'autres unités. C'est assez curieux. Oh, les catapultes qui vont viser les lanciers du désert. Est-ce qu'ils vont toucher? Dommage. Bon, même si la cité est déjà en train de brûler un peu.
La flotte est en mouvement. Ah, je crois qu'on a foutu le feu. On va essayer de pas trop détruire cette colonie d'Adrenamentum parce que j'ai pas trop envie de la détruire de trop. Parce que de ce que on a vu tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Saxons ont une révolte et je n'aimerais pas qu'elle nous tombe dessus. Bon, même si on a une armée assez compétente et consistante pour le combat. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se massent sur les côtes? Non, c'est une blague. Bon, après, s'ils veulent le faire, hein, pourquoi pas. C'est leur choix. J'ai quand même rapproché mon armée. Mais s'ils se concentrent sur les côtes, c'est bien. D'un autre côté, on pourra frapper avec notre armée. Ils ont des cavaliers amaziques. Je sais plus ce que ça vaut. Je sais que c'est anti-cavalerie. Mais le reste... Ah oui, ils sont massés sur les côtes. Oh, on va pouvoir s'amuser alors. Est-ce qu'on va, les pilonner? Ah, c'est obligatoire. Je veux savoir c'est quoi la différence entre une Liburne de barrage. D'accord, c'est peut-être la taille du vaisseau. Ouais. Le vaisseau est plus grand d'un côté que de l'autre, ce qui est logique en, soi. Oh. On va déchaîner les enfers, ça va bien porter son sens là. On va voir sur quoi ils vont tirer. Ouais, feu. Ça va les forcer un peu à bouger, ça va leur mettre la pression. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme qui dirait. Je vais juste me mettre à la limite là. Alors, de l'autre côté, je vais commencer à tirer. Il sort tranché où? Là, là, ok. J'ai jamais. Je crois que c'est le premier assaut mixte que je vous fais, donc terre et mer sur cette campagne. Je me souviens pas en avoir fait d'autres avant. Vous me direz dans les commentaires si vous avez le souvenir de l'un d'entre eux ou pas. Ça commence à bouger. Ah, on a laissé. Ah. Ouh. Et le pire, c'est que j'ai même pas activé le rechargement rapide. Je crois que je vais le faire. Ouf. Ouf. Il se masse là, c'est bien. Ça va vite disparaître comme ça. Ils ont énormément de lanciers du désert, je me souviens. S'ils perdent déjà une unité de cavalerie, moi je veux bien. Ça me va très bien. Et ils sont complètement amassés sur les côtes. Ils ont complètement oublié mon armée en face d'eux. Je vais quand même viser cette tour avec ces deux navires pour faciliter mon débarquement. Ok, donc là c'est bien, ça tombe. Qu'est-ce qui... Pourquoi ils se font tirer dessus, par quoi? Donc là je vais retourner vers mon armée. Oh, oh, ils se massent sur les côtes, ça c'est bon ça. Ils ont dégarni ce front là, donc je vais commencer à avancer. Je vais vérifier s'il n'y a pas une barricade qui gênerait quelque part. La tour ennemie a été détruite, excellent. Je vais viser en priorité les lanciers amaziques, ce sont des unités assez redoutables à ne pas sous-estimer. Ça tombe bien. Hein. Ils ont encore 3 cavaleries de javelot ici, ok. Un lancier du désert qui est en train de craquer en même temps avec tout ce qu'il a pris par l'artillerie navale. C'est bien ça. Derrière, les archers. Je vais pouvoir ensuite utiliser ma cavalerie de ce côté-là. Mon but, ça va être d'appuyer le débarquement des marins. Une fois que j'aurai assez amoché l'armée. Les clébanaries et les promotiers en route. Je vais même mettre mon général de terrestre ici. Alors, ensuite, avec le reste des navires, je vais peut-être débarquer plutôt là pour soutenir... soutenir la cavalerie. Oh là 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 là. Si seulement ils comptaient vraiment les dégâts à l'impact aussi, ça aurait été beau. On a pas mal de munitions, ça c'est cool. L'artillerie qui tombe. Ah. Ah, vous avez foutu le feu au port, vous êtes malin, vous. Bah bravo, Nils.
Ok. À quelle heure elle est redéployée là? Je vais dire à ces deux catapultes de viser ce Javignier à cheval. Oh là 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 là. Dans le doute, j'envoie les lanciers ici. Et là, c'est un lancier du désert, le commandant de garnison. D'accord. Bon. Nos marins devraient pouvoir s'en charger. En attendant. Je vais viser. Hop. Les morts, ils doivent dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter autant de haine. Alors qu'on s'entendait bien avec eux. Mais le problème, les gars, si vous n'avez pas attaqué les Africains, je vous aurais pas déclaré la guerre, les amis. Mais vous avez pris cette province qui m'intéresse, enfin, cette cité. Et du coup, vous prenez mon courroux. Où tu vas, toi? Ah oui, c'est les deux qui devaient suivre. Ok, j'ai compris. C'est plutôt bien. Leur armée est bien amochée comme ça. Je crois qu'il y a l'amiral qui a déjà débarqué, ouais. Il a le cri de guerre et lui aussi. Donc j'ai deux cris de guerre. Alors que des lanciers du désert sont en train de lâcher au milieu de la garnison. Là, on va avoir du monde, là, ça va être sympa. Allez, on continue de tirer dans le tas. Oh là là, mais quel carnage. Toi, si tu peux te retourner, s'il te plaît. Je vais dire là, je vais concentrer le feu là-dessus, sur les cavaliers Amazigh. Si je peux éliminer cette menace, ça pourrait être super. Au niveau. Alors, les marins. Oh là, il y a un beau bazar là. Je vais regrouper tous mes marins ensemble. 4 et 3, 7. Ils sont quand même bien expérimentés, les bougres. Pour certains, ils ont deux chevrons. On va déployer les marins comme ceci. Est-ce qu'ils vont sortir une sortie? Ça serait cool. Comme ça, moi, je vais commencer à progresser avec les légions en armure orientale par ici. Mais bon, déjà, ils sont bien amochés. C'est au moins un bon point, on va dire. J'ai encore un peu de munitions par-ci par-là, on va les utiliser. Magnifique. Vous me direz que c'est pas très noble de faire ça, mais bon. En même temps, quand je vois tout ce que Liam m'a mis dans la figure dans cette campagne, hein, je peux bien me venger un petit moment. Hein. Entre les Sassanides et leurs millions d'armées qui venaient m'emmerder. Laisse tout le monde qui me déclare la guerre parce que je suis devenu numéro 1. Ça va quoi. À un moment, stop. Oh. Je vais vite me mettre en tortue moi parce que je vais me prendre une charge sinon. Et là, il y a une catapulte qui va se mettre en. Une tortue qui se met en formation. Oula, attention, bien. Contact. Normalement, nos légions ont largement le dessus. Ça commence, regardez. Ils ont envoyé leur cavalier Amazigh au casse-pipe. Ouais, 3 unités de légio sur unité de cavalerie. S'ils s'en sortaient, les cavaliers, je comprendrais pas. Je vais les poursuivre. Je ne veux pas qu'ils se reforment dans mon dos, justement. Ok. Ah, on va avoir de la visite encore. Vous allez vous mettre là. Et je vais me mettre en tortue pour attirer les projectiles ennemis. Oh, attendez. Ils vont balancer leur javelot, ceux-là. Non, vous voulez pas? Vous n'avez pas la portée? Parfait. Ces cavaliers Amazigh ne poseront plus un souci.
Mais je vais quand même avancer pour les provoquer. Je vais peut-être perdre quelques hommes dans l'affaire, mais bon, vu ce que l'artillerie a mis en de l'autre côté. Je vais commencer à refermer cette porte. La même chose ici. Ah, ils ont des javelots ceux-là, ok. Allez, écoutez ce promotif contre javelot, normalement on a l'avantage. Parfait, donc là c'est le carton. Toi, tu vas me viser, c'est l'ancien Mazig. Est-ce que j'ai encore des munitions là-bas? Ouais. Ah, mes gros navires de barrage, ils ont encore pas mal de munitions. Ok. Je vais retirer... Oula, toi, tu fais attention parce qu'il y a du lancier qui arrive et la cavalerie contre les lanciers, ça pique en général. Hein. Je vais laisser tirer ses munitions. Ah, ils envoient aussi là. Bon, bah... vous... Pourquoi vous me dites que vous pouvez tirer? Ah, vous n'êtes pas en mode... Ok, j'ai compris. Allez, go. On va charger. On va avancer avec ces unités. Les autres légios, vous allez vous rendre au point de ralliement. On va essayer de tuer le commandant de garnison si possible. Les archers, vous allez venir aussi. On va vous positionner de façon à ce que vous soyez optimisé. Pardon. Ah, ils vont charger là. Ok. Tortue! Ouh, la tortue, j'espère qu'elle va tenir. Ok, ils ont envoyé des lanciers du désert ici. Et la cavalerie à Mazig. Là, les unités... Ouh, j'ai une unité de marin qui a bien souffert. Ça y est. Oh là là, le carnage. Les marins sont en train de massacrer les Amazig. Ouh, j'ai ma tortue est en difficulté ici. C'est bien, ils sont en train de ramener des troupes. Par contre, là, je vais dire aux Libyens de se concentrer sur ces tireurs. Pareil pour vous. Là, il faut essayer de les massacrer au maximum. Il nous reste de la réserve. Ah, j'ai oublié une unité de marin. Ah, c'est l'amiral en plus. Bah, bravo. Okay. Des lanciers Amazig qui sont brisés. Ah, ça, il commence à ramener du monde. Et là, ce front-là est en train de craquer. C'est bon, on est passé sur ce front-là. Il ramène encore une unité de lancier Amazig. On va essayer de faire en sorte que cette unité ne se reforme pas. On va s'occuper de cela. Vous deux, vous venez ici assister. Mes archers, vous allez tirer. Alors, est-ce que vous pouvez tirer d'où vous êtes? Non? Oh, mais vous pourriez tirer là, non? Parfait. Les lanciers Amazig, là, c'est plus qu'un mauvais souvenir. On va s'occuper de ces unités de cavaliers de javeliniers. Pendant ce temps, j'ai emmené les écoutes promontis chercher les tireurs. Et je vais commencer à envoyer les Clibanari assister la mêlée et abattre l'ennemi. Ah, on a perdu une unité de... C'était des unités de marins, c'est pas grave. No stress. Oh là là. Oh, la pression qu'on est en train de leur mettre. En attendant les Clibanari. Attends, des autres cris de guerre. Allez, hop. Ça y est, bon, bah, le cri de guerre, il n'a pas servi, mais... Ah. Allez, hop, c'est fait. On a fait craquer tout ça. Maintenant, il faut percer, là. Je vais tout de suite envoyer les promotis chercher ses frondeurs. Il faut pas traîner. Ensuite, les marins ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes tous les quatre là, ok. Vous allez encercler la mêlée. Ils sont en train d'être défaillants par ici. Ah, on a intercepté plusieurs unités. On va y aller aussi. Ah, j'ai les Clibanari. Je vous ai jamais dit de charger là, les gars. Hein. Par contre, vous n'avez pas utilisé votre cri de guerre, vous?
vous allez me faire. Parfait. Un petit malus, ça leur fera du bien. Et là, ils sont complètement cernés. On va les cartonner. Et j'ai oublié que j'avais des archers qui sont chargés. Je vais m'occuper d'eux au corps à corps. Oui, au corps à corps, vous avez bien entendu. Wow, je me fais quand même assez... Je pense que leur charme m'a fait assez mal, je m'y attendais pas. Petite erreur de micro-gestion ici, mais sans trop de conséquences, parce que je ramène des renforts. Regardez-moi ça. Cette fuite. Là, c'est gagné, c'est gagné. Il n'y a plus personne. Adrenamentum tombe aux mains de Constantinople. Bien, donc le commandant Septimus Tiditianus, accompagné de l'amiral, dont j'ai oublié le nom, Publius Capito, se sont emparés d'Andrunamentum et commencent leur offensive africaine. Évidemment, je vais juste occuper. Je suis pas un sauvage. Ah bah tiens, je me disais bien qu'il y a des séparatistes. Du coup, notre flotte n'a pas pris trop de pertes, ça va. Notre commandant a gagné un rang, c'est magnifique. Je vais lui rajouter plus un druze pour mieux et plus de reconstitution. Ainsi que artisan, ça va lui permettre d'avoir des coûts de construction réduits, des coûts de conversion réduits, et un meilleur taux de tir et de munitions pour les archers. Ce qui est toujours ça utile. On gagne une tradition d'armée, qu'est-ce qu'on peut mettre? Attrition venant du désert, ça c'est bien. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Ça peut être pas mal ça, ingénieur militaire pour encore réduire les coûts de construction. Alors, je vais garder la ville au niveau 3. Le port militaire, il est bien. L'enclos mouton avec. Mais de palais du gouverneur, non. On fera une caserne ici, ou un, ou des, plutôt des thermes, tiens. Constantinople, on mettra une caserne pour protéger la ville. Wow, la révolte africaine, si elle va à Carthage, ça va faire très mal, à mon avis. Bien. Ok. Je vais mettre la flotte en garnison. Donc, Greg, Fire, Dromon... Lui a un peu souffert. Je vais le remplacer. Ça me prend qu'un tour, donc c'est pas une grosse perte. Il nous reste 26 000 à dépenser. Thessalonica, je vais rajouter un palais pour plus de taux de taxes. Enfin des taxes, pardon. Là, dans un tour, on aura ça. Ça va être bien. Constantinople, il n'y a rien à faire. Dans trois tours, on aura ça. Est-ce que je passerai pas le tour et je tenterai vite un assaut sur Samandar? Il n'y a plus grand chose, les 1 ils sont là-bas en prime. Alors on va rajouter de l'argent, on va se mettre aussi là. Alors on a la trésorerie aussi qu'on va pouvoir bâtir là. Ça, il nous reste 1227. On va arrêter là, on va passer le tour. Dans 4 tours, nous développerons la billetting, donc ça nous permettra d'avoir la cavalerie Tagma qui remplacera la. Scolae Palatinae, Palatinae, moins de coûts d'entretien, plus de reconstitution et surtout, enfin, les fameuses Palatina Auxilia Orientale qui remplaceront nos lanciers seigneurs. Et ça va faire du bien. On passe le tour. Ah oui, au passage, j'ai fait la paix avec certaines factions, dont les Pictes. J'ai réussi à faire la paix avec les Garamantes aussi en échange d'argent. Et cette flotte-là, qui est près de Tarente, a réussi à couler pas mal de flottes. Les Allemands qui se retirent. Et je pense que ce qui pourrait être cool, si jamais on a l'occasion, ça serait de récupérer les trois îles et de faire la paix vite avec les Eblani. Au moins, on laisse les sept tranquilles, demander la paix pour je sais plus quelle raison. Mais tant qu'ils auront une ville en Italie, je ne leur ferai pas la paix. Si jamais j'arrive déjà à récupérer Carthage... Et Constantinople, ce serait magnifique. Sinon, le reste, il y a autre question. Ah, il y a un qui commence à piller. Les morts qui ramènent une nouvelle armée. Ah, notre pari a marché quand j'avais fait la petite ellipse. On gagne 1000 de trésorerie grâce à ça. Donc, Adrunamentum, ville de niveau 3. On continue de détruire ça. Et notre armée est déjà pleinement reformée. Ils ont une et on va laisser les rebelles africains essayer d'attaquer Carthage comme ça derrière. On pourrait s'emparer de la ville. Je vais essayer de discuter de la paix avec les morts comme je j'ai pas l'intention d'aller en Mauritanie pour tout de suite s'ils le veulent. Ah, ils veulent. Je te propose même un mariage.
Je suis quelqu'un de bien. Hein. Par contre, je te demanderai un peu d'argent, si ça te dérange pas. Voilà. Récupère un peu d'argent derrière. Avec qui on est neutre là? Ah, encore avec les morts. Ouais. En attendant, les séparatistes africains. Ils m'aiment pas, c'est normal. Lien commence à me piller, ça devient logique. Ok. Donc, alors, est-ce que j'ai rompu mes traités avec le LASIK? Je suis même plus sûr. Non, on va le faire tout de suite. Est-ce que j'avais un pacte d'agression avec cet homme? Non. Je pense que je peux lui déclarer la guerre. Parfait. On va juste déjà faire un truc. C'est juste pour expérimenter l'expion, ça marche. Et on attaque. Vu l'état de l'armée, je vais pas vous faire la bataille, puis on a déjà affronté assez d'orientaux comme ça. Samandar est sous contrôle romain. On occupe juste. Deuxième ville de tombée. Ah, l'armée du roi est par là. On peut recruter des unités de 1. Oh! Les archers montés uniques, c'est quoi la différence? Bah, il n'y en a pas. Ça pourrait être pas mal des archers. Hein. Je suis tenté d'en recruter pour vous dire. Mais bon, déjà en siège, les cavaleries, c'est assez chiant. Oh, les hordes qu'ils ont, là, ça. C'est du costaud. En espérant qu'on ne soit pas les prochains. Bon, globalement, nos cités sont bien fortifiées, à part Samandar, qui on vient récemment de récupérer. Samandar, je ferai. Je vais garder des termes et je vais remplacer ça. Je ferai une caserne ici déjà. Ok, et l'autre armée. Elle peut monter jusqu'à. Oh non, n'attaque pas les malheureux. Est-ce qu'il cautionne la guerre contre les LASIK? Oui. Du coup, ça a augmenté un petit peu les relations. Enfin, on a perdu des relations de base, mais du fait que je déclare la guerre aux LASIK comme les Alipis, ça les arrange. Donc du coup, l'impact sur nos relations est diminué. Ok, là j'ai un prêtre qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On va faire des termes. Un camp tirailleur donc. On va regarder un petit peu où on en est pour la victoire militaire. Donc on a 82 colonies, il nous en manque 8 encore. Donc je pense que déjà en récupérant Carthage et Constantinople, on sera 84, 87. Déjà rien qu'en récupérant tout le sud de l'Italie, alors ça ferait 82, 84, comme je dis 87. Rome, ça ferait 90. En attendant de récupérer la Dacie en recolonisant, ça devrait être suffisant. Oh, par contre, Serdica, est-ce que c'est bien défendu? C'est bien défendu, donc on devrait pouvoir s'en tirer. Je vais aussi bâtir une basilique ici. Ça, on va améliorer un enclos à bétail. Atosp, on va améliorer le bois. On va améliorer aussi les cités, tant qu'à faire. Quoi que ça va me donner, combien? Moins 20, je suis à combien? Non, on va éviter d'améliorer les cités pour le moment. Tant qu'on n'aura pas assez de nourriture. On fera un marché de nourriture, je pense. Là, on va améliorer. Si à coup, dans un tour. Oh, les deux vont être augmentés simultanément, ça c'est bien. On va faire un marché de nourriture ici. Un palais. Un aqueduc amélioré. Ekbatane, on va améliorer le marché de nourriture à fond. Il nous reste 17 000. Oh, ouais, ça devrait être bon. Je me demande si je tenterai pas juste un simple pillage de Carthage pour voir ce que ça donne. Ouais, ils ont pas de flotte par contre, ça c'est un bon avantage. Donc je vais me retirer. Après, est-ce qu'on tenterait pas d'aller attaquer, de se mettre là et d'attaquer leur flotte qui arrive, leur armée qui arrive, ça pourrait être marrant. Attaque navale. Enfin, une petite attaque navale, excusez-moi, je perds mon français. Pour le moment, je vais garder le port comme ça. Je vais ramener une armée en support.
Je vais la mettre ici en force, ça devrait être pas mal. Si jamais les gars, les séparatistes africains tentent une offensive. Niveau nourriture, là on en est où? Ah oui, c'est vrai, on avait la province qui était enfin, on n'avait pas mis de taxes dessus, excusez-moi. J'ai rajouté de la nourriture et lac du Camélioré. Non, la ville au niveau 3, pardon. Il est important d'avoir une bonne garnison ici. Antioche, qu'est-ce qu'on peut faire? On va améliorer ça. Donc là, on a assez de nourriture. On va faire un marché aux esclaves aussi. Ça pourrait être pas mal. Plus d'argent. Au niveau de la politique, comment ça se passe? On va regarder un peu la loyauté parce que je me suis pris aussi une guerre civile. J'ai oublié de vous le signaler. Bon, là, tout le monde m'est loyal pour le moment, ou presque. Toi, tu m'as loyal. Elle est avec le roi, l'héritier des morts, ça c'est cool. Ouais, c'est magnifique. Par contre, toi, tu devrais trouver une femme, mon vieux. Hilarius Talilius Carbo. C'est un vétéran, ok. Ah, et nos archers de cette armée qui ont davantage de flèches. Ça, c'est bien. Et bon, pour le moment, je pourrais tenter un assaut sur la Syracuse, mais je préfère pas, on sait jamais, parce que les Jutes ont pas mal, encore Rome aussi. Donc, il se peut qu'il y ait pas mal d'armées là-bas. Une fois que j'aurai sécurisé l'Afrique, je pense que ça devrait être suffisant. Fin du tour. Ah, les Pictes qui se ramènent. Je crois que je vais fortifier au niveau 4 certaines cités, bizarrement. Il n'y a plus de slaves dans cette campagne, c'est incroyable, c'est comme c'est calme. Les uns qui se retirent. Certaines armées uniques se retirent, tout ça pour dire. Il nous reste plus que Tanaïs et je pense qu'on va se couper l'épisode là, ça devrait être pas mal. L'armée qui a Anacopia est à portée, je pense. Ils se mettent en camp, ça me dérange pas. Ah, c'est Attila ici, tiens donc. Ah, les Marcomans qui se pointent. Ah, qu'ils ont combattu l'un, je crois, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, Carthage est attaquée. Non, 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 on va imposer des sanctions. Il n'y a que le christianisme grec que je tolère. Ouh, il y a peut-être une opportunité d'attaquer Carthage d'un coup. Ils ont perdu, certes, les rebelles, mais ils ont fait pas mal de dégâts, on va voir. Je vais utiliser cette première armée pour voir d'abord. Ok. Attaque de nuit non plus, je suppose. Par contre, je vais ramener la flotte, peut-être que ça changera un peu la donne. Mais je vais attaquer, je vais faire une résolution. Récupérons Carthage, ça serait pas mal. Moi, je m'attendais pas à la récupérer tout de suite, mais bon. Oh, on a pris pas mal de pertes. Mais bon, la flotte a tenu, c'est le principal, ok. Vous occupez juste 11% de la constitution. Excellent. Carthage est enfin sous commandement romain. Je vais réparer le port, la cité. L'ermitage latin, je vais le... Attendez. C'est quoi comme bâtiment religieux? C'est celui de... Je vais le garder, l'ermitage latin, pour ce tour-ci. Ça, je vais le détruire. L'académie, je vais pouvoir la reconvertir. En quoi? Je pense que je vais faire un... Carthage, c'était reconnu pour quoi? Des esclaves, c'était des commerçants aussi. Alors... Ah oui, la fertilité, elle est faible, d'accord. Alors déjà, ça, je vais le détruire. Ça, je vais encore le détruire. Ah bah c'est pas mal. On commence à bien progresser. Donc cet amiral, plus de progrès. Et je vais lui rajouter plus de portée de campagne. Ça peut toujours être utile. Donc il ne restera plus qu'à récupérer Constantinople.
Et je vais garder ça avant de la reconvertir en je ne sais pas quel bâtiment pour le moment. J'ai commencé à avancer l'armée de Sabrata, de Leptis Magna Sabrata pour soutenir. Non, de tout, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai le mouvement pour aller à Tanaïs en un tour? J'ai le mouvement. Bon, on va y aller. Ah, il y a le roi en plus qui est arrivé. Oh, bah, moi, je vais pas te récupérer une province complète, ça arrive pas tous les jours. Quoique, j'ai pas envie de faire attaque de nuit, j'ai envie de détruire complètement leur flotte. Ah, eh ben, j'ai pas réussi, pas bah, dommage. Moi, j'aurais essayé. J'occupe. C'est certain. Tanaïs est entre nos mains. Ils ont même pas fait de mine d'or, c'est étonnant. Je vais garder ce port-là et je vais le reconvertir en port commercial, je pense. Ça pourrait être une bonne initiative. On va reconvertir la cité. Alors la fertilité est bonne ici. Je vais quand même mettre un champ. Je vais raser ce bâtiment au minimum. Bon, bah c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Mais là, je vais commencer à fortifier ici parce qu'on va avoir de la visite. Sinon, Serdica, ça devrait venir d'Irakium. Après, toutes mes cités là sont au niveau 4. Donc, s'ils veulent venir, je leur souhaite bien du plaisir. Je vais mettre ma flotte ici. Sait-on jamais? Est-ce que je tente de prendre Constantina ou pas? Je sens que l'armée est pas loin. Est-ce que je pourrais pas envoyer ma flotte pour en savoir un peu plus? Je vais essayer. Constantina est sans défense. Enfin, sans défense. Sans armée, mais le problème c'est qu'ils peuvent recevoir des renforts de Kaisara. Voire de Tingis potentiellement. Ah, cet assaut mérite réflexion, surtout la qualité des unités. Surtout ces guerriers d'élite nordique. Après les lanciers, ça se contrôle vite. On va réfléchir un peu. Donc déjà l'objectif, on va juste passer le tour. Et on va reconstruire un petit peu ce qu'on a besoin. Je pense que ça me semble un bon plan. Alors on a plein de trois passages de niveau. Alors toi, gouverneur. Moins de corruption ici, ce sera toujours ça de bien. Toi, le prêtre, on va te mettre des actions. Toi, t'es gouverneur, plus de culture là. Et on va te mettre plus d'ordre public. Parce que c'est toujours ça d'utile. J'ai encore de l'argent, tiens, je vais le dépenser. Je vais même améliorer Thessalonique au niveau 4. Je peux me le permettre. Armosia, on va faire. Alors pourra, on peut l'améliorer. Merve. Ça c'est bon. 4. Ça, ah bon, on peut déjà faire de la nourriture ici. On a reconnu Daistan en premier, ce sera lui prioritaire. Par contre, je vais passer Siaku niveau 3, j'ai pas confiance. Bah, même Daistan, allez, tant pis. Pour la nourriture, on la refera au fur et à mesure du temps. Trapezus devrait tenir. Il nous reste 13 000. Et je vais prendre. Alors, le palais du gouverneur à Gortina, ça devrait être bon. Et on va améliorer Sabrata. Voilà. On va passer le tour maintenant. Ça aurait été plutôt un bon épisode hein, avec 4 cités récupérées. Prudence aux Saxons et aux Pictes et aux Huns. Là, on va commencer à rentrer dans le dur du sujet parce qu'il va nous rester une douzaine d'années à tenir en espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de déclaration de guerre impromptue. Là, je suis en train de blinder toutes mes cités comme je peux. Au niveau des constructions, des défenses, je fais le maximum. Ce qui me fait surtout peur, c'est les Huns, quoi. Le nombre d'armées qu'ils ont, la qualité des unités. Même si j'ai commencé à avoir les meilleures unités possibles, imaginables du jeu. Les Huns qui se regroupent autour d'Anacopia, avec Attila au passage. Ah, maintenant ils viennent me piller, c'est logique. Mais bon, là la campagne est en bonne voie, c'est ça qu'il faut se dire.
Ah, les lasics ne n'ont toujours pas bougé. Alors. Oh, bah, fallait s'y attendre en même temps. Bah, Carthage, il y aura beaucoup de chrétiens, c'est logique. Je vais tout de suite le reconvertir en église grecque. L'académie, je vais la reconvertir en librairie impériale. Et la Tabernae. Donc ça, je vais le détruire. Je vais reconvertir Carthage en ville de niveau 3. Et ça, je vais encore le détruire. Ok. Ça, il me faudrait une Tabernae ici. Là, je ferai de l'hygiène publique. Dans la grande ville, l'hygiène publique ici. Et Constantinople, ce sera une caserne. Donc je vais me retirer à Carthage avec cette armée. Enfin, avec cette armée. Avec cette flotte, excusez-moi. Ils ont quoi là? Une flotte aussi, ok. Je suppose que Régium va être bien défendu. Ça va. C'est moins défendu que Constantinople, mais bon. C'est toujours ça de fait. Et là, je peux améliorer une cité. Enfin, je peux avoir une amélioration maximale. Alors. Donc, dans les cas, j'ai 6 archers en garnison. J'ai un lancier quand même. Terre non développée. Alors, c'est quoi qui est en première ligne? C'est Vinacium. Bon, j'aurai une garnison en plus. Mais je vais quand même faire ici un forum pour pas réparer un marché de nourriture. En plus, ça peut toujours être utile. Alors là, c'est détruit. Là, Adrunamentum. Ça a été fait. Samandar. L'industrie a été détruite. Je vais donc rajouter. Une caserne, j'avais dit. Ouais. Je vais détruire ce bâtiment-là aussi. Je vais reconvertir Tanaïs en ville romaine. À Carthage, c'est reconverti. Ça a été fait aussi. Pareil. Pareil. Alors, Hilarius, c'est qui? C'est lui. C'est le prêtre. Hop, on va le mettre ça. Et. Je vais finir l'épisode. On va vite couler cette force lasique. Ça va être une formalité. Ah bah. Je dis. Non, non. Ouf. On va détruire ça. Parfait. Trois hommes perdus, c'est acceptable. Du coup, l'Est est sous contrôle romain. Bien. Du coup, je vais vous laisser là, ça va être la fin de l'épisode 6. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir!